Bonjour, bonsoir chaque grand fanatique HDTV Haïti. Encore une fois, son plaisir pour que nous capables entrer la caillou avec des vidéos, des contenus que nous connaît cap faire au plaisir. Eh bien, je dis à nous pour arriver découvrir un espace ensemble, en pile question à poser. Alors, est-ce que on a mettre ou bien nous désigner toute bagaille ça, hein? Alors, et nous pour vivre espace là ensemble et pour même qui à peine connecté avec nous là, pas oublier abonner pour capable joindre toute reste notification de yo. Nous c'est HDTV Haïti. Donc on a le suivre ensemble. Bonjour à tout le monde. Et moi même c'est Jeff Merazil. Et là où censé dans Casa de Campo, c'est okay. Dans Valentino Jouette et qui a rapport à ces maisons de campagne. OK. Entre-temps, on propriété là, nous profiter de espace qui libre dans propriété à part de mais on capable la mettre là dedans nous font plantation ananas. Ça veut okay. Dire et après là ou ka remarquer pour moi après que c'est ananas seulement qui dans l'espace là. OK. Et en dehors de ananas yo il y a l'autre pied bois que généralement nous on traite pas trop qu'embe logique couper pied bois et sans que nous pas assurer nous gagne l'autre pied bois qui prend la relève. OK. Et là nous gagne en bon créole le dit bois ça le bois blanc. Ils sont bois qui peut nuisible qui boit de l'eau et puis qui envahissant tout. Ça veut dire nous-mêmes, nous sommes sur le point de retirer, mais dans le même espace, nous avons un campèche là-dedans. Ok, campèche mais campèche là, pour qui ça le bon même? Bon, campèche là, généralement. Et puisque nous connaissons, excusez, une motion, puisque nous connaissons, plus utilisé campèche là pour faire charbon. Donc, bon, campèche là, il est coupé, il est en qualité charbon, qui est extraordinaire. Mais pour moi-même, campèche là, il a une importance particulière parce que je suis apiculteur en quelque sorte. Ça veut dire que je et miel, campèche là en soi. Fleur campèche là, bah, un sirop qui est extraordinaire. Non seulement blanc, et puis en matière de goût, qui est tout à fait normal. Okay. On est en sens ça, et objectif premier là, c'est retirer bois blanc. Mais comme, bah, y'a des principes, campèche là, t'es manqué, et suffisant, qu'on a m'a retiré bois blanc au fur et à mesure que campèche là, lui-même, la prend place, en bas campèche là, nous quitter, y'a un ananas, et qui, là. Ok. Et, tout à l'heure, on t'a parlé de miel. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer nous un peu de l'importance de ce miel là dans l'espace là? Bon, et miel là, bon, généralement, et je pense que monde là, en soi, il presque. Il a fait ce marché pendant qu'il a parlé? Pas qu'à fonctionner sans miel là. Ok. Parce que si miel là, par contre, c'est miel là qui permet la pollinisation faite entre différents pieds bois. Et c'est que miel là, il prend pollen. Dans le bois, ça peut-être pour plus précis, dans le bois mâle là, il peut être dans le bois femelle là. Ou bien même pied bois qui a de pollen différents, il même le mélange. Parce qu'il est là butiné, il colle col, il colle bouche là. On côté, il prend un petit pollen, il traverse. On l'autre côté, chap, qui permet que pied bois produit, pied mango produit, pied grenadier produit. Et en fait, c'est comme ça. Lui. Ça veut dire généralement, miel a une importance extraordinaire dans. De production que nous gagnons dans bagaille que nous avons mangé. En fait, le monde là même, okay. Il est super important pour lui. Alors, comme miel a dit rien mais campèche, a dit ah ben il y a rien mais campèche extraordinairement et il produit un sirop qui très bon. Quoi nous même ça nous fait, nous après tirer bois blanc pour nous quitter campèche yo pour en placer. Mais en bas campèche là, nous quitter près de 8000 à 9000 pieds ananas qui là chaque année qui produit parfois. Si nous décidons nous faire ananas produit au moins deux fois par année. Okay. Parce que y a une méthode de proche qui chimique que vous utilisez qui excite ananas pour le fleurir et puis laisser la boire ananas pendant deux trois fois par année. Okay. Généralement dans la méthode industrielle yo côté qu'a faire ananas de façon industrielle toute année a toujours ananas. Mais okay. Nous même nous plus qui était naturel pour chaque année nous jeune ananas mais nous ananas de qualité et qui pas gagner rien de chimique là-dedans. Voilà. Donc voilà. Nous sommes pour une période côté que nous fait que être là. Ça veut dire, je vais vous montrer un exemple. Et ananas que nous avons là, nous avons deux ananas. Nous avons un ananas qui est le bout de tonton. Okay. En créole, c'est un ananas qui coûte, qui est très robuste. Mais nous venons de notre ananas qui est le Victoria. Okay. C'est-à-dire son variété Victoria qui sont mélange de bout de tonton avec Pensic. Pensic a lui-même fait gros ananas. Mais le problème, il manque résistant. C'est-à-dire après 3-4 jours, Pensic n'a pas arrêté. Automatiquement, on finit cassé. Okay. Mais Victoria lui-même, ils font mélange, ils font croisement de pensicla avec bout de tonton qui est déjà robuste, qu'on a le vin bon ananas qui est gros, qui est résistant.
Okay. Ça veut dire par exemple, on prend pied ça ou après. T'as coup là, ça c'est ananas qui était cassé pendant une période de production là. Après que mes fleurs que ananas lui-même lui mettait petit pied que nous pas l'utiliser pas le replanter pour production. Ça c'est côté ananas et du fruit ananas de chita. Nous cassel. Vous comprenez? Ok. Qu'on a notre tête là, petit fleur ça y a été. C'est ananas ça même côté nous dans le secteur ça là c'est Victoria seulement là dedans. Ok, bon, Victoria. Il est très développé. Ok. Alors que ananas. Allez, ça plie, plie résistant. Victoria son mélange lié de pensicla. Ok. Et les fruits à bon avec et bout de tonton. Ok. Et ça va permettre que les plus robustes et les bonnes productions qui plus gros tout. Plus normal. Et oui, économiquement pour le producteur, les plus bons. Ok. Ok. Donc nous pourrons continuer à avancer pour nous faire mieux vivre plus et travail que fait dans l'espace là. Alors, est-ce que ananas qui dans l'espace là n'a pas besoin de l'eau pour arroser les? Bon, généralement oui, mais obligé jusqu'à présent et mettez nous sous dépendance la pluie. Okay. Parce que zone nous est là et l'eau antigène complexe. Mais chance pour nous pendant la période ça yo là et la pluie a plus ou moins saison plus ou moins par rapport à antérieurement. Nous on fait des années là. Et ananas fin sorti et puis il pas capable de grossir parce que pour le grossir c'est de l'eau le besoin, c'est okay. Manger à pied a besoin pour le grossir fruit. Bon, depuis il pas besoin de l'eau, il est toujours bagarre ça. C'est que mais entre-temps année ça il plus ou moins parce que et la pluie a pas trop négligé nous et dans saison ça là. OK, même moi nous pas nettoyer parce que c'est comme ça le mandé pour lui. Non. Et nettoyer généralement toujours nettoyer lui, mais nous à peine fin casser ananas. C'est que qu'on y a là okay. C'est déjà nous font récolte déjà. Oui, dans peine fin font récolte là. C'est-à-dire ça nous pas le faire là qu'on y a, c'est nettoyer ananas, replanter jeunes pieds. OK. Par exemple ça sont jeunes pieds. Ouais. OK, OK. Là il y a plusieurs jeunes pieds là. Même pied principal là. OK. Le pied principal là. Okay. C'est le qui bail production pendant l'année, mais côté production en terre. OK. Qu'on y a ou pas le retirer. Là il y a à peu près des 4 jeunes pieds là. Oui, il y a 4 jeunes pieds. Okay. C'est-à-dire ananas avantage que le gagne, c'est que yon pied ananas pendant production pendant l'année. Il y a jusqu'à 8 types d'ananas. Aïe, aïe, aïe. Par exemple, là, ça a 4. Il y en a qui ont 6. Vous comprenez? Ok. Et puis, en plus, à part de tête là, qui ont ça, à côté, et dans le derrière pied principal là, il y a 2, 3, jusqu'à 4 même, ça dépend. Okay. Et puis, intelligemment, tout le temps que la baille pied ou même se propre retirer, pour lui-même, il continue à baille, parce que pied principal ça, son pied pour le remplacer, il n'est pas produit encore. Depuis, il finit produit. Ok, ok, voilà. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Quand on a laissé ça, c'est Yoni qui va le remplacer. Quand on a ou même toute ça la baille en bas ou retiré jusqu'à ce qu'on quitte Yoni pour remplacer. Mais ananas même, il prend 2 ans. 2 ans pour le bon. Pour le bon production. Ok. Ça veut dire ça, généralement, depuis que je plante, il a pour le bon production après 2 ans. Ok. Mais si je veux tout, physiquement, depuis que je le développe, si je fais d'une façon chimique, ça dit mon gain procédure que me fait qui ca obliger lui et forcer. OK. Vous comprenez? Depuis physique dans 6 mois dans 8 mois dans 12 mois moi que moi qui t'a fait le développer physiquement parce que ou balangre ou l'autre bagaille et puis qu'on y a là ou exciter ou une méthode utiliser pour okay. Faire le produit. Là ça il est pas tellement été et trop bien pour santé. Non, là ça il manque naturel. OK. Bon, il manque naturel. Mais là les nous gana nous mangeons ananas là nous c'est au bagaille 100% naturel qu'on mange. Ok. Donc, on fait ça avancer, non? Là, nous, on gagne un carré, donc. Bon, là, c'est Casa de Campo. C'est le non-espace là pour terre, même, c'est Casa de Campo. C'est un espace que, pour nous, parfois, venir passer du temps avec la famille et les amis les plus proches. Ok. Et c'est un espace comme ça. Bon, ça fait un moment qu'on est dormi là, même, oui. Parce que nous avons tout accessoire en dedans. Parce que son carré qui a une toilette interne hygiénique. Ok. Ça a une toilette normale. Et après ça, il. Ça sont espace de détente, que nous avons des chaises, coussins, tout bagaille, mon vin nous coucher, ou chita en balle, okay. Et nous avons des cabanes et dormantio, petit bagaille pliant, pour okay. Moi, on enjoy. Là, on a un bon fraîcheur, parce que deux pieds mango Baptiste là, cap fil bon mango, et on a vraiment un fraîcheur qui est vraiment bon, et ce espace tout à fait approprié pour mon enjoy. Ok. Donc, et là, moi, j'ai un pile pied, bois campèche, et puis là, un pile et bois blanc. Généralement, donc, c'est toujours bois blanc ou tu jeunes dans l'espace là? Il y a un espace que, campèche là, c'est campèche seulement. On fait ça avancer? Nous nettoyons les, nous quittons campèche là après. Et correctement, mais quand tu as plus bois blanc, nous ne pouvons pas courir, retirer le bois blanc,
pour espace arrêté libre. Okay. Parce que nous-mêmes, nous faisons des choses plus ou moins et écologiques. Parce que nous ne pouvons pas dévaster un brou comme ça. Et puis après ça, pour nous quitter l'espace sans bois. Alors, on a quand même commencé à prendre place, on a retiré le bois blanc au fur et à mesure. Okay. Parce que là, on a chargé le pêche. Donc, à part de travail qui va faire dans là, est-ce qu'il y a l'autre? Et travail qui va faire encore, exemple, élevage et tant d'autres lots encore. Non, pas d'espace. Par exemple, actuellement, là, et nous avons commencé avec la production de lapin que nous avons campé ça quelque temps. Mais nous ne voulons pas et continuer avec la lapin traditionnel que nous avons, c'est-à-dire physiquement qui n'est pas trop développé. Quand nous avons des lapins que nous avons avec là, déjà la lapin depuis 3 mois, et il y a 4 à 5 livres. Ok. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est, d'une manière, c'est de la géant. C'est de gros lapin. Bon, peut-être tout à l'heure, on a une image pour eux. Et après ça, tout, nous gagnons et production cochon, c'est-à-dire. Okay. Nous gagnons pile cochon tout? Bon, oui, c'est que là, on a travaillé pour rétablir fermement correctement, j'ai inculté dès le départ. Mais cochon lui-même, nous gagnons, puis nous gagnons pas ça, nous commençons à mettre cochon dans l'espace là. Nous avons production et pétade que nous avons fait tout, c'est-à-dire de jeunes pétades. Et nous avons engraissé pour nous distribuer, et puis nous gagnons. Et bon, en fait, généralement, nous gagnons pile projet, parce que. Nous avons des espaces qui sont seulement la donne. Nous avons des espaces tous ces durs qui nous plantent dans l'eau exactement. Voilà. Et parce que nous avons, nous sommes fait durs en pile, nous avons fait environ 3, 4 hectares, 5 hectares. Aïe, aïe, aïe. Ça veut dire là, et nous travaillons d'une manière. Bon, jusqu'à présent, ça n'a pas d'objectif. Et ça, éventuellement, tout haïtien qui a réfléchi, j'en paye à présenter là. C'est-à-dire, parfois, on ne peut pas dire, on ne peut pas douter. Et donc, l'autre alternative. Parce que bagaille est tellement complexe dans le monde, imaginez vous lever à la banque et puis vous pas avoir l'argent. Et puis pendant que vous soit disons cagé monnaie la banque là que vous t'êtes à manger avec. Okay. Et ou river à la banque pour gaz et puis il dit vous pas gain gaz, vous c'est goumen mon a goumen puis vous prend gaz. Alors que vous gain comme là pour acheter gaz ça. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire parfois et pays a mettons en situation où même vous doutez de présence sous la donne. Ça okay. Vous dit que bon, ça m'a fait dans pays là. Mais au final, là on a réfléchi. C'est que, ou parle, quelque chose que vous parlez, c'est travail ou pas le travail. Voilà. Alors, si vous travaillez ici, en attendant que si baga la pas vienne plus mal, il y travail. D'accord. Ouais. Mais si ça vienne plus mal pour vous, c'est option de déplacer allié, je ne vais pas juger au monde qui déplace tout. Ok. Vous comprenez? Parce que, déplacement, il y a ses solutions, meilleures solutions en tout. Pendant que moi, je travaille ici, moi-même, trouver que ma produit, mais ça arrive que les mouilles vont de l'autre côté avec expérience, moi, avec savoir-faire, moi, et puis moi-même, c'est explosé, m'exploser de l'autre côté parce que je gagne toute bagaille, je suppose, jouer pour me produire ou pour me exploser. C'est généralement, pour plus près, quand les voisins, hein, c'est produit, parfois spécifiquement pour nous-mêmes consommateurs finaux haïtiens, nous manger. Eh ben, pour solution, hein, c'est nous-mêmes bon, ici qui prenons une décision pour nous produire tout. Alors, on ne pas dire que nous avons une compétition ensemble avec vous directement pour le moment, mais au moins, nous avons un marché, nous avons toujours pris, ou bien nous avons traversé ce domaine. Et nous connaissons que le cas est même si nous avons 10, 15, 20 dollars en plus par rapport à ça, nous avons notre bord, nous avons préféré prendre la main. C'est-à-dire que okay. Ces produits mettent à la disposition de nous toujours. C'est le premier objectif là, ça. Est-ce que pas bien des monde peut-être qui supportent ou bien encouragent ou qui ou bien des banques qui prêtent ou non bon. Donc pour avancer avec projet ça. Banque Alim, nous pas mettre de la dedans. Parce que Haïti pour produire sous bon en fait, whatever soit fun Haïti même, tout le monde connaît. Ou pas quelqu'un monde capable prêter rien. Et par exemple, moi même songe que m'étais fait 3 hectares et du riz. Nous t'a préparé, nous fin gros piquer du riz à faire repiquage normalement. Et puis t'es qu'on la pluie tomber. Là, ça me croit que y a une rivière canari qui était pour une quantité de monde. Moi, je passe là côté, je t'ai planté du riz, c'était bougeau. 3 hectares du riz qui finit de piquer. Et puis, de l'eau a pété, il passe là-dedans, il y a là avec tout plein. Il finit de piquer. Il y a un plan qui était 2 jours de piquer, il y a un plan qui était même jour de finir de piquer. Il prend tout plein là-là. Ça okay. Veut dire, moi-même, il y a une obligation pour me payer de piquer là encore, pour me chercher plein pour me piquer. Sans ça, là, j'aime n'en perdu. En quelque sorte, ça veut dire, en gros, pas de assurance. Ni bon côté l'État, ni bon côté privé, dans mon cap, ni produit, ni dans la question agricole, ni mon cap fait et production animale. Okay. C'est-à-dire, si vous perdez un bagage, ça fait vous perdre. Ou à l'inverse, sans s'y aller. Ou pas de ni l'État, ni privé, qui a bon rien, et sous aucune forme. Oui. Aïe, aïe, aïe. Tout ça, on s'y en a. Tout ça, on s'y en a. Aïe, aïe, aïe. C'est-à-dire, environ combien pied ou gain là même? On va mettre environ 8000. 8000 pieds. 8000. Ça veut dire chaque année, nous repiquons en quantité. Et puis nous avons l'autre espace en haut tout.
et qui gagne canne la donne. C'est-à-dire nous gagne presque plus qu'un hectare. Il y a canne parce que nous gagne côté au fait jus canne la ville là tout. OK. Ça veut dire là nous ananas la donne tout parce que nous prend et production dit la production en fait depuis pied pour nous piquer yo. Et trop ou bien nous pas voulez mettre tout espace à d'un coup et ananas la donne. Nous pouvons quantité à le mettre dans l'autre espace là d'un canado. OK, voilà. Ça veut dire qu'on ça le fait. Et là nous dans espace côté que yo garder ibetio. Donc nous on gagne plusieurs plantes là. Côté qui gagne bérigène, gagne papaye et gagne pied orange et puis gagne pied banane tout ça. Donc et pied bérigène ça combien de temps on prend pour bon là? Bon, généralement nous planter bérigène là ça gagne environ 2 mois. Mais c'est plantule là que nous te mettez. C'est-à-dire plantule en sachet et puis qui a produit actuellement là. Okay. C'est-à-dire c'est nous ne pas faire semis, hein. Ça veut dire nous pas prendre rien là, mais nous juste acheter plantule là directement. Voilà. Et nous transplanter, nous mettez là. Et mais nous avons période là, nous avons un petit bête qui a ban nous problème, nous asperger et puis et c'est ça qui fait que on après que brigène qui jaune, c'est nous asperger et puis les vin correct qu'on a après que ça ou pipiti yo ou kembe couleur vert couleur mauve là normalement. OK. Mais est-ce que pendant que vous couleur ça est-ce que vous bon? Non, yo pas moi même pour moi même pas trouver comme style c'est juste mieux là. C'est-à-dire yo mieux ça pour atteindre maturité correctement. OK. Et mais c'est une sorte de punaise qui t'a piqué yo. Okay. On est là c'est ça que après expression après que toute l'autre tibé jeune qui a venir yo yo kembe couleur mauve normal. Voilà. Donc et on a le cochon et puis après nous pourrons le faire parler. Là, nous avons un cochon qui vient les sortir dans l'espace là. Mais en attendant, là c'est parce que nous avons construit. Bon, nous pouvons finir aménager le net. Et c'est parce que nous avons 46 feuilles de couverture. Okay. Et vous nous mettez via cyclonique pour faire subdivision. Pour faire subdivision dans l'espace là. On a nous le balai et béton. Et puis à partir de béton, on a subdivisé encore. Pour qu'on change un espace pour nous. C'est ça que nous devons mettre le cochon. Nous devons mettre le cochon dans le net. C'est parce que l'espace là pour qu'on finalise. Ok. Vous comprenez? De toute façon, on travaille. Il faut faire. Il faut après l'argent. Pas ne pas gagner. Il faut prêter l'argent directement. Il ne pas gagner mon cabot. Investissement sérieux presque personnel. Ça fonctionne de rentrée professionnelle nous. Pour nous faire des travaux. Ok. Vous comprenez? Et là. Ok, nous bien ça c'est on maman bon on fait mal cochon blanc ça dit son truc mais qui est environ et 3 mois et demi et pendant 4 mois. Ok, c'est à dire il parle de 3 mois et demi il parle dans 4 mois, ça dit 3 mois 20-22 jours. Okay. Ça dit on voit la différence là c'est que nous développer plus vite par rapport et cochon et traditionnel que nous gagne. Ok, alors peut-être pas après aller de saveur viande. Mais au moins, si on a fait production, on a besoin d'aller vite. Alors, là, on a un cochon comme ça qui est déjà à bord de 40 et 50 livres. Et dans l'ISAO, vous comprenez? Et super important. Et puis, nous-mêmes, nous, par exemple, nous nourrions presque naturellement, c'est son de riz, nous, par là. Ok. On ne va pas mettre qu'un produit chimique. On va mettre un de chimie. Après, ça nous parle des déchets de cuisine. Ça veut dire ça, il reste du riz, il reste manger, il retire dans l'assiette, dans le restaurant, nous baillons tout, parfois. Mais en général, nous plus baillons des choses qui sont naturelles. Ok. Mm-hmm. Ah bien, on fait avancer, non? Après ça, bon, dans l'espace, nous avons une particularité que nous faisons, qui est un petit genre, et que nous n'avons pas fait souvent bon, ici. Et nous avons fait une expérience avec Inyam. Ça veut dire Yam en créole. Voilà. Et généralement, nous toujours planté Yam là. À terre, c'est-à-dire au sol. Ok. Et nous fouillons trou, nous faisons bit, et puis nous plantons yam. Mais nous-mêmes, nous faisons expérience là, qui a marché jusqu'à présent très bien. Et ça fait et combien l'année ou bien combien mois? Bon, ça a environ 2 mois et demi que nous faisons exploitation. C'est-à-dire nous achetons plein au niveau de Saint-Raphaël, qu'on y a nous juste seulement, son projet pilote que l'on a, nous juste fait 50 plans. Ok. Maintenant, 50 plans, nous faisons expérience là de côté. Par exemple là, nous faisons expérience là au sol, nous plantons yam à terre pour nous. Et même différence même ça qui fait. Ça c'est yam là. OK, ça c'est yam. Nous plantons au sol. OK? Pour nous ça, là pour le en matière de quantité de production, c'est-à-dire yam donc on est
son plante adventive, c'est-à-dire son plante c'est en bas et il donne à terre et puis il a gros racines, ces racines généralement nous manger. OK. Son racine adventive, son racine entière qui est pour grossir. Tout en jeune espace, si tu as supposé exploser, c'est-à-dire l'ouvrir plus. Quoi, nous mettez la terre traditionnellement, j'ai qu'on fait là. On a, après ça, nous faisons expérience au niveau de sac. Nous mettons dans un sac là. Ok. Ça veut dire là, donc c'est pour la première fois que vous ça, hein? Et... Mais qui j'aime. Vous comprenez bien? Ouais, ça a son pied. Hein? Ça a son pied. Hein? Ok, ça c'est un pied. Hein? Un pied qui dans un sac. On a nous mettez terre. Et moi le développer bien. Hein? Oui, nous mettez terre. Nous mettez pourrin. Et puis nous mettez yam nan plan yam nan tête sac là. Et puis généralement yam nan tout temps là un espace en bas, la glisser descendre, il supposé bon yam qui presque même grosseur avec sac là. Oh! Parce que la sac passe moi même logique là c'est améliorer qualité de production yam que nous gagne. Généralement, nous pas dit yam que nous gagne bon ici au mauvais non. Mais nous voulons faire expérience nous est-ce que yon yam qui était contre nous 3 4 5 livres. Est-ce qu'elle va pas nous dire livre? Parce qu'il y a tout un jeune espace, il joue de l'eau, il joue pour rien. Pour le développer, il a développé plus. Ok, qui ça qui est pour rien? Pour rien, c'est paille sèche, c'est tout ça que, okay. Qui a servi de nourriture tout. Et pour y en a, pour plante là. Okay. Voilà. On comprend? Et c'est lui, ça veut dire, en gros, vous pouvez mettre compost tout ensemble avec terre ou mélanger. Bon, c'est vitamine. Que plante la besoin pour le développer. Ok. Alors, après là, il y a maintenant, il monte sur toute la tête là. Sur la tête là, c'est un macalé là. C'est lui qui a couru là. Mais et ça pour moi, c'est un bal. C'est un bal, son propre adventive là. Ok. Ça veut dire, c'est généralement, production à chercher là, dedans, ça a besoin, c'est dans le sol là. Mais qu'on y a, imaginons que pour acheter développer plus, il ne faut pas avoir trop d'obstacles. Ça veut dire si dans le sac là, il n'y a pas besoin parce que terre pas trop dure, la bonne production est plus gros. Alors c'est une expérience pilote que nous avons environ 50 ou 60 de sacs là. Et le premier avantage que nous avons, et tout sac que nous avons plein, que nous avons plein sur la dent, tout sorti. Aïe aïe aïe. Ça, au moins 100% nous avons garanti sur lui. Et en plus, on a, nous avons dans 9 mois. Qui qualité là bas environ on gagne environ 2 mois et demi là que yo mis à terre là ouais tout ça c'est un même monté non tout ça là ouais okay. C'est un même encore on connaît ça qui attire attention plus c'est parce que on dit façon sac là il y a gros sac là il y a même supposé comme ça oui parce que tout le temps là prend plus espace ça dit même c'est facile besoin de l'ouvrir col OK ça dit lui même là besoin d'espace là besoin pour rien là besoin de terre. Parce que ça a besoin et puis je viens de l'eau. Okay. Vous comprenez? Vous dites là, ouais. Tout ça qui est neuf. L'on va l'aider de l'eau, c'est toujours la pluie d'après nous. Juste à présent, c'est la pluie. Okay. Parce que la période, ça n'est pas mauvais du tout pour nous. La pluie a tombé. Elle dit, ouais, tout ça, c'est bien qui est tout ça. Ça a occupé, il y a quelques pieds qui sont en retard, mais il est sorti quand même. Par rapport à l'autre. Mais il est sorti quand même là. Ça dit, malgré qu'il y ait un retard. Tout et puis aussi, c'est la première satisfaction que nous gagnons et nous ne perdons pas rien dans ça. Vous comprenez? Tout net, ceci là. Ok. Environ combien de sacs nous fait là? Nous avons une soixantaine de sacs. Et ce qui est important, c'est que 98% est sorti. OK. Bon, c'est yon pied au carré qui pour sortir parce que là nous essayons manger un sac là. Nous remier et terre et nous voit que et plein yam dans la pousser tête. OK. Bon. Mais moi nous gagne pile papaye là tout. Est-ce que nous faire récolte papaye dedans bon, déjà? Nous pour faire récolte papaye, son papaye nous gagne qui planter ça gagne environ 4 mois. Parce que nous t'ai acheté plantule papaye là. Et avec l'idée que son papaye qui plus ou moins sélectif, c'est-à-dire son papaye est sélectionné. Mais nous rencontrons un petit problème, nous avons quelques mal la donne. Mais ça qui est important, c'est de respecter la date de production. Okay. C'est-à-dire, automatiquement, papa a gagné 2 mois et demi planté, il a poussé fleurs, il a commencé à donner. C'est-à-dire, actuellement, là, c'est papa a commencé à produire là. C'est-à-dire, son papa a gagné environ 4 mois depuis qu'il a planté. Ok. Encore une fois, il y a un peu de jeunes en cours.
alors qui pas choisi travail la terre, alors nous pas vraiment qu'on ait raison. Et qu'il y a plus de jeunes, encore une fois, tant qu'on qui choisit quitter le pays. Notamment, qui un message pour le monde, ça. Bon, et opportunité, c'est au créer. Nous ne pouvons pas créer opportunité pour vous. Alors, généralement, on part de l'autre côté, c'est des opportunités, oui, tout. Et, mais si vous créez opportunité côté, c'est fait. Vous comprenez? Okay. C'est fait. Et, parce que chaque monde a vrai dire tout. Il y a 5 doigts, il n'y a pas même hauteur. Tout le monde n'a pas la même chance, tout le monde n'a pas passé la même chance, tout le monde n'a pas travaillé même chance. Mais ce qui est important, c'est que gagner moyen pour on fonctionner ici, tout autant que vous décidez de fonctionner. Mais si, comme tout le monde n'a pas la même chance, ou c'est l'autre bois qui vous percez, ou percez la donne. Ok. Là, il n'y a pas qu'à déranger pour un monde qui est déplacé. Et comme ça, nous-mêmes, ça qui arrive que nous décidons de déplacer tout. Mais en attendant, jusqu'à présent, nous, là, nous avons fait le mieux possible. Ok, merci.